Je viens d'écouter l'interview de Patrick Bigot par Pascal Inemagne du blog Secret de Judoka et voici la réflexion qui me vient à l'esprit. Mais une question se pose au préalable. Peut-on apprendre le judo à 4 ans, attendu que le judo, sans son enveloppe culturelle, celle qui le rattache à ses racines japonaises, ne sera pas le judo, mais une caricature de judo faite de roulades et autres galipettes sur des boudins en mousse et autres supports de matériel pédagogique. Justement, peut-être que je caricature à l'excès, vu que je ne sais pas faire, par manque d'expérience ou de compétences, ou des deux. Mais certains sauront dire que c'est possible d'apporter un soupçon de culture nippone, voire culture judo, dans l'activité d'apprentissage du judo aux enfants. Les enfants aiment que l'on leur raconte des histoires, paraît-il. Et là, je me retrouve, parce que je me souviens, en commençant le judo à l'âge de 7 ans, que c'est exactement comme ça que je le vivais. Alors ok, je ne suis peut-être pas fait comme les autres. D'ailleurs, le professeur avec qui j'ai obtenu ma ceinture noire m'appelait le poète. Je ne lui ai toujours pas demandé pourquoi, mais ça, c'est une autre histoire. En écoutant le podcast de Pascal Inemagne, cette réflexion faite sur moi-même m'est revenue, car lorsque Patrick Bigot s'exprime, il raconte une histoire, et c'est cette histoire qui nous transporte. On aurait envie de le suivre ou de faire la même chose. On se retrouve téléporté au Japon avec lui, à tel point que l'on s'y croirait presque avec le bruit des chutes sur le tatami en arrière-plan ou en bruit de fond. Patrick Bigot est tellement passionné qu'il le transmet dans son récit. Et ce n'est pas pour rien qu'il est venu apprendre le judo régulièrement au Japon depuis les années 1980. Ce dont je parle ici par rapport au voyage, c'est l'esprit du judo qui passe par l'imagination, celle qui nous permet de visualiser ce qui n'est pas, mais pourrait se concrétiser en accumulant les briques. Une brique représentant une histoire qui, une à une, ne s'y finit rien d'autre qu'une brique, mais qui, une fois agencée aux autres, constituera le pont qui nous mènera à l'objectif fixé. L'histoire racontée est la recette qui nous donne l'envie de faire le judo. Quand l'histoire ressemble à un gâteau, sauf si on n'aime pas les gâteaux, on a envie de faire le judo et de revenir pour écouter la suite de l'histoire. La passion anime tant le professeur ou celui qui transmet que de l'écouter devient un plaisir, avant même le plaisir de voir la réalisation technique ou avant même de la réaliser soi-même. C'est cette passion qui animait mon professeur et paradoxalement, sans avoir voyagé au Japon, nous le faisait entrevoir simplement en nous racontant au sotogari. Rien que ça suffirait à comprendre que l'exécution d'une technique est un cheminement de sa première réalisation à sa maîtrise complète, une sorte de voyage. Je pourrais conclure en évoquant un de mes meilleurs souvenirs de judo, si ce n'est le meilleur, parce qu'il est à la base de l'ancrage d'une passion pour le judo en ce qui me concerne. Il s'agit du jour où notre professeur de judo nous a emmenés voir au cinéma La légende du grand judo de Akira Kurosawa. J'avais 10 ans. Et non seulement le fait d'aller au cinéma était exceptionnel, mais en plus de voir un film sur le judo, avec des judokas, des prises de judo étaient encore plus rares et excitantes. Et c'est là que l'idée de voyage prend tout son sens, tant j'ai été transporté à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps, à l'époque des débuts du judo de Jigoro Kano. Alors merci à Pascaline pour cette interview qui me fait mieux connaître Patrick Bigot. Merci à Patrick Bigot qui m'a transporté avec son récit et donné envie de voyager. Je parle de voir la baie de Somme. La baie de la Somme, que je ne connais pas, alors que c'est ma région natale, et pourquoi pas le Japon. Enfin, merci à mon professeur Louis Combe de m'avoir transmis cette passion du judo, sans oublier tous les autres qui ont contribué à l'alimenter. Merci d'avoir écouté ce petit podcast audio, et donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, et à réagir, soit dans les commentaires, soit tout simplement en cliquant sur le petit pouce en l'air. Et donc, je vous dis à bientôt dans un autre podcast et sur toutes les rubriques de la chaîne. À bientôt.